Que je me suis vu. C'était le reflet de mon image. Reynald joue la guitare rythmique. Et quand on dit rythme, c'est vraiment rythme, quoi. Il fait danser. Il fait danser son petit frère. Son petit frère, il est batteur, lui, aussi. De Skin, d'ici, de Saint-Étienne. Jean-Yves, avec les glaces de Star. Bon bassiste. Il joue pas depuis longtemps, mais bon bassiste. Philippe, lui... la caisse qu'il a, la grosse caisse, et puis il sait reconnaître une guitare quand elle n'est pas accordée, et il a vraiment la pêche. Congolo, il est du Congo, d'Afrique. Il joue le reggae, puis il joue le rock aussi, et il est vraiment ouvert. Punk à Rouen, on l'a connu un peu avant, mais nous décidons de faire des groupes. Une boutique, Mélodie Massacre, un premier disque, le premier 45 tours des Dogs, un deuxième disque, le deuxième Dogs, après un premier 45 tours, chanté en français, les Olivier Einstein. Ils n'ont rien compris, parce que par exemple à l'époque c'était l'espèce de cochonnerie de punk à tendance nazie, croix gammée, tout le bazar. Nous on a ressorti un machin, c'était Pétain. À notre avis c'était beaucoup plus drôle, beaucoup plus punk, parce que c'était l'esprit français avéré et tout ça. Ils n'ont rien compris, les maisons de disques. La gare est humide, elle est comme avant, tout est encore vide. Pour le revenant, personne ne m'attend. L'endroit m'a manqué quand j'ai fui. C'était moi ou lui. Je m'en suis sauvé pour sauver ma vie. J'ai mis tant de bombes sur la ville. L'homme m'en veut encore. Ça ne va pas être facile de tuer.
Il y a une rue connue à Rouen, la rue Massacre. C'est là que tout a commencé, non ? Ouais. Il y a 10 ans et demi, c'est vrai. Je crois que tu me disais qu'il y avait la rue Hermanine, mais pas encore. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette rue Massacre, alors ? Ben, il y avait un magasin de disques, le mien en l'occurrence, qui ferme ben, ce soir, aujourd'hui. Mélodie Massacre. Dominique, je me souviens bien de lui, ça va lui faire plaisir. Il venait, il avait des cheveux au milieu du dos. Il était tout jeune, mais justement, il venait acheter les New York Dolls. Allô. Et le plus drôle, c'est les Johnny Weinstein, c'est Gilles, les premières fois où il est venu au magasin. Il devait avoir, je sais pas, 13 ans ou 12 ans ou quelque chose comme ça. Il était trop petit pour aller au fin fond des bacs. Alors il se dressait sur la pointe des pieds pour réussir à fouiller. Et il me posait des cols, le salaud. C'était, enfin je veux dire, moi j'aimais beaucoup les Birds, j'étais fanatique des Birds, et lui aussi, c'était vraiment son truc, les Birds. Et il me demandait, ça c'est avant ou après Gene Clark ? Et Gene Clark, il est dedans ou pas ? Je me demandais, je me disais, mais qui c'est ce monde-là ? D'où est-ce qu'il peut bien sortir ? Après j'ai rencontré le frère, j'ai tout compris. Okay. Personne ne veut descendre en bas, leur dire qu'il y a Dominique qui les a, qui s'impatient. Antoine était fan des Dogs, mais ouais. Il était tout petit aussi. Ouais. Et puis, bon, il venait à Rouen dès qu'il pouvait. Il séchait le bahut, je suppose. Et puis, il venait à Rouen quand il y avait un concert des Dogs. Et puis, enfin, son rêve, c'était de jouer avec les Dogs. Et puis, ça a réussi. Tu sais, par exemple, quand on était en trio, tu vois, on cherchait pas un autre guitariste, on trouvait personne vraiment qui pouvait aller avec nous. Antoine est arrivé, ça s'est fait sans problème, parce que je pense qu'il ressentait les choses un peu de la même façon. Ça s'est fait tout seul, quand même. Johnny's got a date. He gotta go now and don't be late. Come brush his boots, come comb his hair. Little Johnny's bomb a dancer. Go, little Johnny, go now, little Johnny blues. Go, little Johnny, go now, night is yours. So fine, alright. Get ready for tonight. Look out slow and the best you'll never forget. This Johnny Chess. Little Johnny's got his face. You gotta go now and don't be late. Come shake it up, really shake it down. Go, go, Johnny, you're the one. Go, little Johnny, go now, little Johnny blue. Go, little Johnny, go now, the night is yours. So fine, alright, get ready for tonight. Look out slow, I'm the best, you'll never forget. Little Johnny Chess. Johnny's going downtown, feeling on to five. Johnny's on the dance floor now. He's gonna show them all. He can do the shake, can do the cut. Can shake it up and back some more. Johnny on the walk, Johnny on the walk. Hey, go, little Johnny, go. Little Johnny blue. Go, little Johnny, go now. The night is yours. So fine, alright. Get ready for tonight. We got drunk. Peut-être dans tout le monde entier, il y a une espèce de fée qui est distribuée comme ça. Une espèce des étoiles. Les étoiles sont tombées peut-être à Boston, à Los Angeles, à Rouen, ailleurs, partout. On était dedans.
l'a reçu un peu. Un truc qui vient du ciel, tu veux pas savoir comment c'est. Les avions, oui, je ne les ai pas suivis. Plus que pareil, la sourde oreille. La colère monte, je leur fais honte. Dans la rue, ils ne m'ont même pas répondu. Ils rient de moi, ça c'est leur droit. Regardez, ça me dit la sortie de panique. De mon regard, pour eux, il est trop tard. Pas si heureux, plutôt envieux. Ils sont partis et moi je ne les ai pas suivis. La colère monte, je leur fais honte. La colère monte, je la fais honte. On avait l'intention de faire une chanson publicitaire pour le magasin. C'est parti comme ça, tu vois, je veux dire, on a emprunté tout le bric et le broc, le magnéto c'est un 4 pistes, on n'en avait jamais vu un de notre vie, et si j'appuie là-dessus, qu'est-ce qui se passe? On savait pas. On apprenait tous, et c'était donc un truc pour faire une chanson publicitaire pour le magasin, tu vois, je veux dire, le dimanche, j'attends le lundi pour aller chez Mélodie, enfin, c'était Eric qui avait écrit les paroles, c'était amusant. Puis quand on s'est retrouvés dans le studio, enfin, dans le studio, dans ce qui nous servait de studio, on s'est dit, après tout, pourquoi pas faire un disque. Tu prends l'Angleterre, tu prends les États-Unis, bon, chaque ville a ses groupes et ces groupes arrivent au moins dans un premier temps à se débrouiller avec une scène locale. Ça, c'était amusant. Cohésion des gens entre les musiciens auparavant. C'est vrai qu'il y a eu quand même l'élan des Dogs qui a amené une certaine publicité sur Rouen, donc ça a peut-être motivé un peu pas mal de musiciens, et puis aussi beaucoup de musiciens se sentent prêts maintenant. Ça étonne les gens de voir un groupe français avoir un son correct. Ça me paraît primordial, ça me paraît impératif. Sans le savoir, je crois que les gens sont très sensibles à tout ça,
pour forme. Et sans le savoir, ils pourront jamais disséquer un morceau. Ils vont dire, oh, écoute la caisse claire, écoute la basse, et bien tout. Mais il se trouve que c'est comme ça, ils font tout de suite la différence. Chaque musicien a un côté tribal dans ce qu'il fait dans sa musique et donc très très humain. Et les rapports humains, c'est un très très important au niveau du studio, au niveau du travail, ce qui permet d'aller beaucoup plus loin. Et en plus, comme au niveau du temps, je regarde pas tellement l'heure, ça permet d'arriver à un travail assez intéressant et les groupes ressortent avec leur identité plus que l'identité du voisin. J'aime bien les grosses machines en général, ce qui donne un spectacle. Ouais, c'est ça. Je sais pas, quand je vais voir un concert, j'aime bien en sortir un peu émerveillé, voir des gens bien jouer, bien placés, une bonne mise en scène, etc. Ça me paraît très important. Un artiste, je pense pas qu'il puisse dire « je marche parce que c'est comme ça ». Il doit travailler pour bien faire les choses et à partir de là, le public va décider. Il se passera quelque chose, il se passera rien. Moi, j'étais vraiment un teenager. Je crois que les teenagers les plus accrochés, tu les trouves en province parce que ils ont que ça. Moi, j'habitais dans un petit patelin, une station balnéaire en bord de la mer. Et bon, bah, j'avais l'occasion, il y avait beaucoup d'Anglais qui venaient, des Américains, etc. Et bon, bah, c'est ça qui m'a un peu déterminé à faire de la musique. Ça m'a emballé tout de suite. Je voulais une guitare et puis jouer dans un groupe. C'est toujours ce qui m'a obsédé. Il y a pas mal de gens qui... Pour eux, la musique est une chose adolescente, si tu veux, ils passent, ils font un groupe de copains. Et puis, bon, ça fait partie de la vie. Et après, ils s'orientent vers autre chose. Je crois que quand t'es vraiment mordu par quelque chose, tu mets tout ce que t'as dedans et t'essayes d'y arriver, en t'accrochant, en travaillant surtout. 77, au début, moi, j'ai vu les punks. J'étais un peu surpris, quoi. Et puis, je voyais ces mecs qui montaient sur scène, qui s'éclataient et tout. Il y avait de l'énergie, ça bougeait, ça dansait partout. Même faire un 30, même faire un 10, ça vient de là aussi. Avant, personne ne pensait à graver. On a réussi à produire le 30, là on est content. On a prouvé quelque chose quand même là. C'était pas pour le prouver parce que ce qu'on fait on l'aime bien, mais on a prouvé à certaines personnes qu'on était capable de faire ce qu'on voulait quand on voulait. Ce qu'on a d'ailleurs toujours fait. Thank you.
croyez qu'il va en faire un métier, musicien? Ben, d'après lui, il espère, puis moi aussi, parce qu'il va venir le voir, enfin, aller voir sortir, quoi. Et vous-même, vous auriez... Ben oui, moi... Vous auriez aimé faire ce qu'il fait, plutôt que ce que vous faites aujourd'hui? Ah, ben maintenant, Mathieu est un peu terme, enfin, pour lui, oui, ça m'aurait bien plu, j'aime bien la musique. Même les genres de musique, ça me déplaît pas. Il y a une rumeur à Rouen comme quoi il y aurait eu un mémorable match de boxe entre deux tendances adverses du rock rouennais. C'est un match de foot. Un match de foot, pardon. Bah, ça t'en parle, moi j'étais indisponible. Un peu perdu, j'en fais 12, on a fait 0. Non, 8. Non, celui-là on a perdu 12 à 0. Bon, ben c'est tout, la prochaine fois on en marquera. Je dois dire que ça a été très brillant, ça s'est traduit par Nurse plus Fred Fatigueros plus Stalkers, 12 à 0 contre des membres des Dogs, des rythmeurs à l'époque je crois, des flics, enfin 12-0 quand même. Le FC Rouen a remporté le match qu'il ne fallait pas perdre s'il voulait garder le contact avec Thionville, vainqueur de Caen 2 à 0, et avec Brest qui a fait match nul à Châteauroux 1 partout. Le transfert c'est un passage d'un groupe à l'autre, et à Rouen il y a des spécialistes pour ça. Des groupes qui se montent, qui ont une durée de vie de 2 mois, 3 mois, et puis ça se dissout à nouveau. On a choisi le système d'autoproduction, plutôt que d'aller frapper à toutes les portes et se voir répondre oui ou non. 99 chances de se voir répondre non, quand même, faut pas se leurrer. Et on a choisi de suivre d'un bout à l'autre ce disque. C'est-à-dire, on est responsable de la prise de son en partie, on est responsable du mixage, on est responsable de la pochette, on sera responsable des ronds centraux, on sera responsable de tout. À la semaine prochaine. Il faut compter sur combien d'exemplaires vendus pour amortir la mise de fond. Si on les vendait intégralement, nous, pour le moment, il y en a pour 3 millions 2, il faudrait 640 disques à 50 francs pour qu'on puisse rentrer dans nos frais. Mais 640 disques vendus soi-même, ça fait pas de la promotion. T'es pas connu à Lyon, t'es pas connu à Marseille. De ne pas avoir d'étiquette, de dire où sont, on ne sait pas d'où ils viennent, c'est pas un groupe de Rouen. J'ai vu aussi ça dans un article dans Paris Normandie. On ne sait pas d'où ils sortent, on les connaît, mais ils ne sont pas de Rouen, ils viennent de l'étranger à la limite. Nous au départ, alors qu'on n'était pas vraiment connus, tout de suite on s'est promené un petit peu. Bon, on a été dans le sud, on a été en Belgique, etc. On s'est promené à la recherche un petit peu de notre identité. Disons, on est un groupe de Rouen, parce qu'on habite Rouen. Simplement au niveau de la géographie, mais on a un concept de musique européenne. Ça veut dire qu'on essaye, disons, avec la musique qu'on fait, on s'est aperçu que nos racines n'étaient pas vraiment américaines ni anglo-saxonnes, mais beaucoup plus allemandes, belges, même hollandaises. En France, je crois qu'il existe des racines, hein, que ce soit littéraire, artistique ou musicale. Hein, et bon, un peu comme le chanteur de Marc Siberg, Philippe Pascal, l'ancien chanteur de Martin Seb, je dirais même combat, tu vois, mais je me sens assez proche de ce qu'il peut raconter au niveau de la musique européenne. Found out it.
Je l'ai déjà expliqué à Michel, bon, pour moi c'est un moyen, tu vois, la musique. Bon, ouais, c'est sûr. Un moyen de voyager ? Ouais, un moyen de voyager, un moyen de m'exprimer, un moyen de. Je sais pas, un moyen de, ouais, de vivre tout simplement. Mais si un jour, bon, Blue Sand se casse la gueule, ce que je souhaite pas, bon, bah, je vais pas ramer de nouveau pour refaire un groupe, tu vois. Bon, moi, si j'ai pas ma guitare, je vais pas mourir, tu vois. Je ferai peut-être autre chose, la vidéo, ou comme vous, là, je tendrai la caméra, tu vois, ou, tu vois, des tas de trucs. Mais du moment que c'est poussé à fond, du moment que je fais un truc poussé au maximum, qui me sort de moi-même, c'est le principal. Quelques ennuis, enfin bon, je vais pas raconter toutes les péripéties, mais... Ah si, racontant les quelques-unes, quoi. Bon, d'abord, c'était des petits coups de téléphone, ensuite, bon, on tournait une vidéo sur une place qui se trouve devant une cathédrale, et on avait attaché une jeune fille tragouléante, avec une poitrine opulente, que vous avez vu peut-être dans notre prestation scénique, et alors, elle nous a demandé, elle nous a supplié de la fouetter, alors j'ai pris, bon, donc un petit fouet, enfin... comme ça, quoi. Et puis, je la fouettais sur les marches, alors elle rugissait de plaisir, elle suffoquait. Et alors, le prêtre est arrivé, enfin, le prêtre de la paroisse est arrivé, nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, mes enfants? Qu'est-ce que vous faites? Quel est ce nouveau message que vous donnez? Vous vous rendez pas compte? Et on est obligé de stopper, donc cette vidéo sera censurée. Hein. Your life belongs to me, as well as somebody. Beware and be sad.
yourself a fatal hero. Give her your sweets and words, I'm not worthy of. You can even pretend to share a genuine love and call your heart in mood with your mixed blood and soul. But if you pass midnight, you will hear my spell above your Disneyland. It trails you out the night. The stars will stop twinkling in your masquerade sky, and the defeated prince will become a puppet. So when midnight strikes, beware and beware, 'cause your night belongs to me, as well as your body. Beware and beware. Ok, bon, je vais chercher le lard. Je casse les œufs. Je vais chercher le lard. Hein. On se retrouve. Et la peine qu'un peu de calme. Petite maladie. Lorsque je monte en automobile. Ma vie ne tient plus qu'à un fil. L'émulation a été très forte, par contre, c'est certain. Hein. Bon, et puis, on arrive à peu près à se débrouiller avec une salle pour pouvoir jouer, le 44, non, ça s'appelle l'Exo 7 maintenant. Mm-hmm. Bon, il y a une infrastructure minimale, si tu veux, pour faire, je te disais tout à l'heure, il y a 3 studios, il y avait le magasin comme point de contact, et pour les ventes de disques aussi. Je veux dire, ça, c'était important, Mélodie, pour pouvoir vendre, écouler les productions locales. Après 25 ans, j'ai changé. Je serais mort ou j'aurais changé, j'ai changé. Car les enfants ont toujours raison. Car les enfants ont toujours raison. Premier round, 1 dollar l'entrée. Une fête à Rouen, Stéphane est fatigué. Gilles Tandy sourit, bonne soirée. Ferrara, 27 ans, point. Dimension américaine. Boxeur-acteur, pas de clichés préfabriqués, mais des anecdotes de tournage. A éliminé par Gilles l'Éponge, Lelouch, Lavillier et Trost de son entourage. 1. Terre, vie mouvée. Il a la tête pleine de salsa. Benny Moré et Celia Cruz, ses chanteurs préférés. Tout va ensemble et tout va mal ensemble. Parce que par exemple, j'ai joué de la batterie pour jouer guitare chant avec France Angleterre. Je fais de la batterie pour Rock Horror Show, la version française. Et puis en fait, ce qui peut se passer, c'est que le mercredi, ça marche bien, la salle est pleine. On rajoute une séance le jeudi et le vendredi. Le vendredi, il y a championnat de Normandie de boxe qui commence par exemple à Alençon, une centaine de kilomètres de là. Ce qui fait qu'on est fatigué, je m'entraîne pas, je pars au championnat, je prends une danse. Il fallait faire un choix, donc je suis parti aux États-Unis 4 mois. Well, my snake is so big. Spectacle Boston. Size it. Bonjour Jimmy. That's all I have to say today. Je vais te pénétrer avec une guitare, entrer des notes dans ton corps, cordes sensibles dans la nuit, et de l'amour pour toute la vie. Je vais te pénétrer avec une guitare, entrer des notes dans ton corps, cordes sensibles dans la nuit, et de l'amour pour toute la vie. Acteur frappeur principal, chorégraphie pugilistique. Sur la planète des assistés, la boxe interdite, les bannis sont rappelés par les chefs qui sont nous. Jeff Animal Chandler, champion du monde des coqs, caractériel de génie. Hagler Duran, photo de deux ados. Légende, pourquoi pas. Je veux te prendre avec ma tête et changer les idées de nos corps. Hector Macho Camacho, voyoucratie portoricaine. Très grand champion. Mark Breland, charme, ovation, palmarès. Michael Spinks, après avoir bouffé dans les décharges à Saint-Louis, dévore ses adversaires mi-lourds et donne à manger pour des œuvres de charité. Oh, mais t'as pas bien chanté aujourd'hui. Ah, vas-y, moi, mais bon. Plus quelques obscurs, anciens ou futurs champions, menés par une jolie guitare. Les petits noirs jouaient les rôles et s'échangeaient des coups sans trop sourire. Avec le sport, on se retrouve. On a fait des fêtes. Ce qui était marrant, c'est d'entendre Dominique Dedox discuter avec Ferrara, champion français.
pro des poids moyens. C'est bien de mélanger les gens. Ouais. USA, Boston, concert tout seul. Johnny The Wiz, son groupe, Sleep Chamber. Un 45 tours sur son label, un projet avec Jorge Socarrás, chanteur du groupe Indoor Life à New York. Retour à Rouen, nouveau groupe, Blacks, avec Michel à la basse et Jean-Luc, ex-Action John The Boys, ex-Nouveau Riche, batteur, choriste. Moi, Eric Tanguy, le rock à Rouen 83. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben c'est le cri de la jeunesse en colère et c'est aussi le cri de gens comme moi plus âgés. Je sais pas si on est en colère, mais on crie pas mal. Voilà. Ce rocker en fin de carrière pourrait dire « Plus ne suis ce que j'ai été et ne le serai jamais être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Rock'n'roll, tu as été mon maître, je t'ai servi en bien des lieux. Or, si je pouvais deux fois naître, comme je te servirais mieux. » Je peux pas comprendre comment ça fait.